Le ciel s'assombrit sur le traitement des ordures ménagères. Le centre d'enfouissement d'Oprone, Lidifumourbu, reste fermé aux déchets venus des territoires extérieurs. Car certains élus de la communauté de communes doutent des engagements pris par la collectivité de Corse pour régler le problème des déchets. Hier, l'annulation du projet d'un centre de stockage à Castifao les a confortés dans cette position. L'annulation du projet de Castifao, ça a alimenté en fait une perte de confiance auprès des élus qui existait depuis plusieurs années, puisque le territoire vit maintenant, cette année, sa quatrième crise. Et à chaque fois, on a eu des discussions, des engagements, des avenirs qu'on nous décrivait comme devant être meilleurs et qui en fin de compte ne se sont pas concrétisés. Hier, une réunion était prévue entre les élus de la micro-région, le CIVADEC et la collectivité de Corse afin de résoudre le problème. Elle a été annulée à la dernière minute. Une décision prise en catimini sans les trois nationalistes élus à la communauté de communes de Oprone et Lidifumourbu. Moi, je suis vice-président du bureau de la Comcom, ainsi que le conseiller exécutif Xavier Luciani. Nous sommes des membres du bureau et on n'a pas été informés de la réunion. Donc cette réunion, pour nous, elle est caduque. Et les décisions qui sont prises ont été dictées au président de la collectivité, Luciani, qui d'ailleurs ne conteste pas du tout le fait que cette formule qui a été utilisée n'est pas très régulière. Pourtant, la sortie de crise n'était pas si lointaine. Lundi dernier, dans une réunion rassemblant tous les acteurs du dossier, certains élus de la communauté de communes de Pruneli auraient demandé certaines contreparties, comme la constructibilité d'un terrain agricole. Dans une lettre envoyée à la presse, les élus nationalistes menacent de révéler au grand public ce marchandage. Le dossier des déchets prend une tournure politique, peut-être jusqu'à faire éclater la communauté de communes de Pruneli-Lidifumourbu. Thank you.